Après, je vois, elle dit bonjour à tout le monde. Elle dit oui, c'est mon ami, lui aussi, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. J'ai dit oh, t'as combien d'amis là? Enfin, j'ai pas dit ça, j'ai dit ça, je l'ai dit dans ma tête. Alors, bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. Je sais, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà, même petit j'aime. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action et créer ta vue sur mesure. Et pour ça, les gars, il va falloir faire de l'oseille parce que ça va pas se faire tout seul, hein, tu connais déjà. Il y a mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer à l'arnaque. Regarde quand même avant. Hein, ça t'évite de te sentir ridicule après. Hein. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre exactement toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Alors là, si tu ne me connais pas, c'est là, tu vas crier à l'arnaque, arnaque, pigeon. Ils nous prennent pour des pigeons. J'ai acheté dans cette formation bonus complémentaire sur l'e-commerce, sur investir dans les crypto-monnaies, investir dans l'immobilier, investir dans les startups. Ah, ça, tu ne connais pas ça. Hein. Il y a beaucoup d'argent à faire aussi dans les startups. Et personal branding. Personal branding, voilà, c'est super important, même si toi tu crois c'est nul ça, non? C'est nul ça! Non. Personal branding, les gars, c'est la base. C'est comme ça que les gens vendent aujourd'hui. Hein. Tu achètes un produit parce que tu connais la personnalité. Tu achètes une Tesla parce qu'il y a Elon Musk. Avant, non. Tu te dis Tesla, ah, je sais pas. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, tu peux avoir accès à un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe formé, d'accord? Tu vas pouvoir poser toutes tes questions pour en savoir plus, déjà par rapport à Pirate Marketing, puis par rapport à tes objectifs. Déjà, voir si jamais ça peut fit avec ce que toi tu veux faire, tu vois, par rapport à tes objectifs. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone et les gars, ils vont te rappeler. Et après, si jamais tout va bien, ben écoute, si tu veux utiliser ton CPF, parce que ça, je n'ai pas dit, mais si tu utilises ton CPF, tu peux avoir accès aussi à l'incubateur et qui donnera accès du coaching. Et après, on donnera les accès ou pas. Voilà, ça dépend si jamais tu veux utiliser ton CPF ou pas. Ok, tu peux aussi payer directement. Après, il faudra charbonner, les gars. C'est que le début. C'est le début. C'est pas la fin d'avoir acheté la formation. C'est que le début. Non, 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 mais non. Non, mais je te le dis parce qu'il y en a, ils ne savent pas. Ils pensent que c'est la fin. Ils disent ouh, oh là là, le parcours était long, les gars. C'était pas facile. Ouh, non. C'est que le début. Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évry dans 91. J'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Hein, on a grandi au quartier des pyramides. Arrêtez de chialer, les gars, il n'y a pas de barrière. Arrêtez de chialer, les gars, si jamais tu n'as pas dosé aujourd'hui, c'est de ta faute. C'est aussi simple que ça. Arrête de perdre ton temps à chercher des raccourcis. Il n'y en a pas. J'ai découvert là, ça fait plus de 3 ans que je voyage. J'ai découvert le business en ligne, j'avais plus de 30 ans. Arrêtez de chialer, les gars, et passez à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. Trois critères du coup que j'utilise pour savoir si jamais c'est une femme bien, si c'est pas une bitch. Parce que c'est important, les gars, parce que tu sais maintenant que dans le marché du célibat, on est dans une génération où c'est le bordel. Excuse-moi maman, mais des fois faut utiliser les termes. Là, c'est du n'importe quoi. Hein, avec les réseaux, avec les trucs, on ne sait plus. On ne peut plus faire confiance comme à l'ancienne. Parce que les anciennes disent, ouais, nous, on est mariés, on est restés ensemble 40 ans, les trucs comme ça. Ouais, mais ça, c'était avant. C'était avant Instagram, ça. Maintenant, les meufs, elles sont complètement... on ne sait plus. Hein. Et c'est pas moi qui veux dire, ouais, de toute façon, toi, tu dis des trucs, c'est n'importe quoi. Tu tapes sur Google. Entre 80 et 90% des divorces sont initiés par les femmes. Hein? Je te laisse faire la conclusion. Et les meufs vont dire, ouais, mais c'est normal parce que vous, vous êtes toutes des salauds et vous êtes des chiens. Non, c'est pas pour ça. Non. La première raison, c'est quoi la première raison? Moi, j'ai oublié, c'est quoi? Je crois que c'est l'argent, je crois. Ok? Bon, ça, je te l'accorde, je me rappelle plus. J'avais regardé, mais j'ai oublié. Mais en tout cas, c'est pas parce que, genre, il m'a trompé. C'est pas ça. Et non, c'est pas parce que, ah, il m'a battu. Que des fois, il y a des meufs qui mettent des trucs extrêmes. Et ouais, donc ça veut dire qu'il faut rester même s'il nous bat? Calme-toi. Non, je pense qu'il faut que tu partes. Hein. Là, c'est même pas une question de femme-homme. C'est si jamais tu es à un endroit où tu es en danger, vaut mieux partir. Hein, ça, c'est la base. Bon, bref. Et donc, du coup, les gars, il faut avoir des critères maintenant. Tu peux plus aller comme ça. Hey! Non. Il faut être carré, les gars. Il faut avoir des critères d'exigence et voir comment les choses se font. Hein. Donc, premier critère que moi, j'utilise. Hein, et ça, c'est cadeau. Normalement, ça devrait aller bien. Normalement, tu connais. Hein. Premier critère, déjà, je choisis des femmes qui m'ont choisi. Ça, c'est la base. Les fois où ça a toujours glissé, c'est toujours quand c'est des femmes qui me choisissent. Donc, tu te dis, ouais, mais comment ça? Ben, par exemple, si jamais sur Tinder, par exemple, ou sur n'importe quelle application de dating, quand la femme, elle m'écrit en premier, ben, ça glisse toujours plus. C'est toujours, ça glisse toujours plus facilement. Le numéro, ça glisse toujours plus facilement. Le date, ça glisse toujours plus facilement. La suite, ça glisse toujours plus facilement. Voilà. Hein? Après, tu vas te dire, ouais, mais moi... Mais les meufs, elles m'envoient jamais le premier message sur Tinder. Ah ben parce que tu n'as pas Funnel Tinder qui est en description. Bah ouais les gars,
Et ça, même si tu es un gars moyen, je te montre exactement toutes les étapes pour que tu puisses avoir des dettes en illimité. Tu peux pas te rater. Et si jamais tu as déjà un bon niveau, tu vas pouvoir dater des meufs encore un niveau encore au-dessus. Ça paraît fou ce que je te dis, mais c'est une stratégie marketing que tu utilises, de tunnel de vente. Tu peux pas te rater. Alors, c'est sûr que si jamais tu es obèse, tu n'as pas de taf, tu habites chez tes parents, tu regardes des films porno toute la journée, tu joues à la console, les gars, non, je peux rien faire pour vous, les gars. Je suis pas magicien, les gars. Je peux pas non plus forcer les meufs à vous dater. Okay, okay, à un moment donné, les gars, faut aussi faire votre taf. Hein. Si tu fais rien de concret, non, ça va être compliqué. Non, je suis pas magicien, les gars. Par contre, ceux qui sont au moins normaux, ça, les gars, ça, je peux vous donner des résultats, les gars. Tonto Jojo est là pour ça. Tu auras des dettes, ça, c'est sûr et certain. Après, c'est sûr que si d'ailleurs, tu agis comme un simp, parce que tu sais plus comment un homme doit agir, là, tu vas avoir des difficultés. C'est pour ça qu'il y a Zeus. Ouais, les gars, à chaque étape, les gars, j'ai pensé à vous, les gars. Tu sais quoi? Mais je crois qu'après, il manque un coaching. Il faudrait juste, j'avais même pas pensé à ça. Il faudrait que je rajoute un coaching. Comme ça, après, vous êtes bien, les gars. Tu sais quoi? J'avais déjà pensé à ça. De toute façon, il y a moyen de coaching. Par contre, les gars, vous pensez pas que c'est gratuit, les gars. Les coachings, là, avec Toto Jojo, c'est dur. On donne des résultats, mais ça coûte cher. Autre exemple aussi, quand par exemple, tu vas en soirée et quand les meufs, elles viennent te demander à danser, par exemple. Tu dis, ah, mais quoi? Ça m'est jamais arrivé qu'une meuf, elle me veut danser. Eh ben, ça tombe bien. J'ai une formation aussi sur. Non, j'ai pas de formation là-dessus. Sur comment faire que la meuf vient te demander à danser. Non, je n'ai pas encore pensé à ça, mais pourquoi pas? tout simplement pour te dire, ouais, déjà les gars, je vous ai dit, ça fait longtemps. Il faut regarder toutes les vidéos, les gars. Il y a toujours des insights, les gars. Sois alerte, les gars. Hein? Mets la cloche pour voir chaque vidéo. Parce qu'à chaque fois, je donne des petits trucs, tac, tac, tac. Crois pas, genre, tu vois une sur deux, tu te dis, ah, c'est bon, on est bon. Non, faut tout voir. Il y a une fois, j'avais dit sur une vidéo, les gars, apprenez la bachata. Vous étiez tous là. Vous n'avez pas calculé. Ok? J'ai dit, apprenez la bachata et après la salsa. Alors, si tu fais les deux, t'es bien. Elle dit, ouais, moi, je ne suis pas un homosexuel, je ne vais pas apprendre la bachata. Calme-toi. Écoute tonton Jojo. Je te dis, il faut faire la salsa et la bachata. Et quand tu es dans les bails de bachata, salsa, et il faut que tu danses bien, évidemment. Si tu fais juste le basique, ça ne va pas le faire. Il faut que tu fasses quand même un peu plus, tu vois. Il faut que tu sois quand même bon. Si tu es bon, les gars, ça fait tout sans que tu aies besoin de réfléchir. Ça veut dire que tu vas remplir son hypergamie. Ça veut dire que tu... ouais, c'est tout. Ben voilà, tu vas remplir son hypergamie. Toutes les autres meufs, elles te voudront. C'est pour ça qu'on arrive à un stade où quand tu es dans une soirée bachata et ça, quand tu danses bien, les meufs, elles viennent te demander à danser. Donc du coup, ça fait preuve sociale. Ça remplit toutes les cases qui font que la femme te trouve attractif. Ok, évidemment, dans le monde de la bachata et de la salsa. Voilà. Donc du coup, tu pourras pas dire que je ne l'avais pas dit. Ça te facilite les choses. Donc, ok, donc du coup, voilà, quand une meuf elle vient me demander à danser, bon, bah, c'est toujours plus, c'est tout de suite plus facile. Boum, 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 voilà. Ok, donc en général, quand elles m'ont choisi, ça va mieux. Alors, évidemment, il y a des exceptions, tout ça, mais c'est pour ça que c'est important de connaître la nature féminine de base. Il y a Zeus, hein, je te rappelle, parce que chaque action est basée sur le secret de la nature féminine, tu vois. Par exemple, oui, ça m'est déjà arrivé, je me rappelle mon ex, au début, elle faisait style et tout, nanana, mais. Pourquoi je savais qu'il y avait un truc, c'est que quand j'envoyais un message, elle répondait toujours. Elle était toujours super contente comme me voyait, elle était contente d'être avec moi, etc., etc. Donc, c'est juste qu'elle ne savait pas qu'elle était cuite. C'est juste ça. Elle ne savait pas, mais elle était déjà cuite. Okay? Donc, il y a des exceptions où genre des fois, il faut taffer un peu, elle fait un peu style. Mais si jamais tu vois que tu taffes un peu et que genre, elle continue toujours pas acculée, ça veut dire que tu donnes de l'attention gratuitement comme ça. Ce qui va se passer, c'est que tu vas passer dans le truc ou friendzone. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais par de base que genre, choisis des meufs qui t'ont choisi. Et si jamais il n'y en a aucune qui veut te choisir, ben c'est fou que tu taffes sur toi. Ou tu prends Funnel Tinder. Après, comme je t'ai dit, je ne peux pas faire de miracle, les gars, si vous avez vraiment. Ou si vous êtes 0, 4, ou t'es un 2, t'es un 1, frère, déjà, va à la salle de sport. Hein, fais attention à ce que tu manges. Sorte ton écran des films porno. Prends une formation. Crée un business. Fais quelque chose. Aie de l'ambition. Fais quelque chose. Je ne suis pas un magicien non plus, les gars. Deuxième critère qui va te paraître assez évident, mais des fois j'ai l'impression que certaines meufs ne comprennent pas, disent, mais pourquoi je ne prends pas les bêches? Voilà. Évidemment, pour court terme, ça ne pose pas de soucis. Hein. Je pense que là-dessus, c'est même le meilleur. C'est même le meilleur. Hein. Mais pour genre une meuf, imaginons que tu veux prendre une meuf potentiellement moyen-long terme, on ne prend pas de bêches. Okay, ça a été démontré même scientifiquement. Non, mais c'est vrai en plus. Sérieux, ça a été démontré scientifiquement que plus les meufs elles ont connu de gars, de moins elles seront une bonne mère ou une bonne femme, tout ce que tu veux. De toute façon, il faut qu'elles fassent les deux quand même.
Hein, ça sert à rien de se mettre en couple long terme pour pas avoir d'enfant. Ça aussi, pareil, des fois, j'entends des meufs, elles veulent se marier, mais pas je veux pas d'enfant. Mais quel gars va se marier avec toi si jamais c'est pas pour avoir une legacy, en fait? Quel est l'intérêt, en fait, pour un homme de se marier, sinon? Je comprends pas. Pas trop. Ouais, mais toi, de toute façon, n'importe quoi. C'est pas parce qu'une meuf, elle a sac de dick de tout le monde, de toute la planète, que ça veut dire que ça fera une mauvaise mère. C'est pas parce qu'elle a couché avec plein de gars que ça veut dire qu'elle peut pas être une bonne mère. C'est n'importe quoi ce que tu dis. C'est des constructions sociales. De toute façon, les meufs, il y a un double standard. Calme-toi. Calme-toi, Géraldine. Je vais t'expliquer. On se base sur les habitudes. Ok, c'est ça. On va prendre un exemple simple. Si jamais tu sais que t'as un ami à toi, c'est un gars qui a l'habitude de voler. Il aime voler. Il est là, il prend à chaque fois. Chaque fois, il vole. Hein? Est-ce que tu vas laisser ce gars-là chez toi avec 100 000 euros que tu as retiré de ton compte en banque, que tu auras mis sur la table? Est-ce que tu vas le laisser là? Tu vas dire, reste là, je reviens dans une semaine. Ok, prends soin de mon argent. Est-ce que tu vas faire ça? Non, la réponse sera non, Géraldine. Pourquoi? Parce que tu te bases sur ses habitudes et sur son passé. Tu sais que ce gars-là, c'est pas le meilleur gars pour pouvoir prendre soin de mon argent. Et ben là, c'est pareil. Hein? Si son habitude, c'est de suck des dicks, qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire? Qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire quand tu vas te marier avec elle? C'est-à-dire, il y a des gars, il va t'arriver ce qui est arrivé à Kanye West. La meuf, elle l'a trompé, normal. Comment Kanye West, il s'est dit? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Kanye, c'est Kanye. Qu'est-ce qu'il s'est dit dans son cerveau, le gars? Évidemment qu'elle va te tromper, que même derrière, dès que c'est fini, elle va dire hey, j'ai envie de fuck ce gars-là devant la terre entière. Bref. Donc, du coup, on prend pas de bitch. Ça, c'est la base. Deuxième critère. Non, mais tu crois que c'est. Il y en a, comme ils disent, c'est pas grave. Ils disent c'est pas grave. Après, il peut y avoir des exceptions, évidemment. Mais est-ce que nous, on a envie de se baser sur des exceptions? Surtout si jamais tu pars sur un truc long terme, mariage. Bah, tu regardes les stats, tu dis, ok, 90% de chances que ça échoue. Déjà, même les meufs normales. Déjà, c'est chaud, mais ça se finit en divorce. Alors, si en plus, tu te rajoutes des trucs, des red flags en plus. Les gars, à un moment donné, un peu de bon sens dans ce monde de clowns. Troisième critère que je mets en place, et ça, je crois même, c'est même pour court terme. Même court terme, cela, je l'utilise aussi. Après, ça dépend, je m'adapte, les gars. Mais en général, c'est quand elle a trop d'amigas. Ah, quand elle a trop d'amigas, tout de suite, ça me calme direct. Je fais, laisse tomber, en fait. Ça m'intéresse même plus, en fait. Je suis plus intéressé, laisse tomber. Tu es là, machin, j'ai vu. Bah, tiens, petite expérience, petite anecdote personnelle. Donc, je suis en Thaïlande, tu vois. Et donc, j'arrive, petite soirée et tout, là. Et là, je vois un truc. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle fait, là, la meuf. Je dis, mais. Tu t'es trompé de destination, qu'est-ce que tu fais là? T'es sûr que t'es thaïlandaise? La meuf, on comprend pas, la meuf est quand même un solide, je sais pas combien je pourrais donner, mais un solide 8, hein, je pense, hein, entre 7 et 8. Hein. Et donc, du coup, la voix et tout, parce qu'il faut savoir, bon, je pense que ça c'est un secret pour personne, mais il faut savoir que les thaïlandaises, le fessier, ce n'est pas leur fort. Les mollets, oui, mais le fessier, c'est pas là que tu te dis c'est la source. Non, bon, voilà. Donc, du coup, elle déjà, fessier, comprends. C'est incroyable ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout ça, je la vois, je dis, c'est incroyable, cheveux, tout ça. Je comprenais pas. Je dis, mais est-ce que même c'est thaïlandais? Je savais pas trop. Du coup, j'ai été lui parler et tout. Et après, elle me dit, ouais, qu'elle est mixte, etc. Mais par contre, je veux pas dire le mix de quoi. Parce que en fait, tu connais. Ça, c'est on connaît les bêtas. Il y a tellement de Français en Thaïlande. Je suis sûr qu'il y a un gars qui va arriver, il va tuer mon plan. Il va dire, Hey, tu sais quoi? Il a fait une vidéo où il parle de toi. Ouais, il parle de toi et il dit des trucs. Franchement, c'est misogyne. Hein. Je t'ai vu danser la dernière fois avec lui. Et franchement, moi, je pense que c'est pas un gars bien. C'est pas un gars bien, ce mec. Hein. Là, il dit des trucs. Ouais, je te traduis. Regarde, là, il dit que t'es une bitch. Il dit ça. Ouais, textuellement. C'est exactement ce qu'il dit. Connais les bêtas comme ça. Ça sera pas la première fois. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas trop d'indices. Ah, c'est pas grave. Mais on les connaît. En plus, ça marche pas, ça, les gars. Les moves de bêta comme ça, essayer de balancer les gars, là, ça marche pas, les gars. Ça marche jamais. Alors, ça te met un petit peu dans le trouble, comme disent les Américains. Hein. T'es là, t'es obligé de rattraper un peu le truc. Mais bon, ça, c'est jamais genre, parce que t'as fait ce move-là de bêta, tu m'as balancé. Genre, c'est cuit, tu vois. Non, c'est juste, bon, tu me mets dans la situation où c'est relou. Voilà, je dois rattraper les choses. Mais bon, bref. Du coup. Je parle avec elle me dit qu'elle est mixte, en fait, moitié Thaïlande, moitié autre chose. Comme ça, je donne pas plus d'infos. Comme ça, je laisse un peu le, ah,
peut-être si le bêta essaie de me balance, au moins je dis ah ben non, je vais parler de quelqu'un d'autre. Et voilà. Et donc du coup, ce que j'ai vu, c'est que j'ai dit ah attends, j'avoue elle est bien, elle est pas mal et tout, attends, ok. Donc je prends le contact et tout. Après je vois, elle dit bonjour à tout le monde, elle dit oui c'est mon ami lui aussi, c'est mon ami. J'ai dit oh, t'as combien d'amis là? Enfin j'ai pas dit ça, je l'ai dit dans ma tête, tu vois. J'ai dit, oh ouais, oh, super, oh, ça c'est bien, ça super. Dans ma tête, j'ai dit, hey, t'as combien d'amis toi? C'est que c'est. Hein? C'est comment? Ça se passe comment? Donc après, ça m'a calmé direct. Ok? Après, j'ai commencé à me dire, ouais, peut-être parce que c'est une danseuse et tout. Non, pas d'excuses. J'ai zappé ça. J'ai dit, non, t'as trop d'amis toi. Après, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième fois, je l'ai revu dans une autre soirée. Et là où elle a retrouvé mon estime, c'est que genre, quand elle est rentrée, genre elle m'a hug. Alors hug, c'est comme ça là, tu fais machin. Là tu fais, ah trop content, là, trop content. Ah. Voilà. Et après, il y avait d'autres gars qui sont, je sais pas c'était qui. Elle est arrivée, elle a fait comme ça. Ça va? Il a dit, ah là c'est mieux ça. J'ai dit, tu vois, là c'est mieux ça. Voilà, tu hug moi mais pas les autres. Là on est bon. Et là je me dis, ah, vas-y. Je vais lui reparler. Voilà. Tu vois? Mais si j'ai vu, alors elle hug moi, après elle hug tout l'autre, Francis, après Gérard. Non. Oh. Après les meufs, ça, les meufs, elles ne comprennent pas ça. Nous, on est territorial, nous. On n'aime pas le partage, là. Non. Après, il y a des meufs qui vont dire, oui, ben nous aussi, on n'aime pas le partage. Ah, oui, alors bon. Parce que j'aimerais bien dire ça. Ouais, nous aussi. Non. Non, c'est bon. Pas, je pense pas les filles. Pas exactement. Tu vois, par exemple, nous, tu peux mettre la meuf la plus belle, la plus bonne du monde dans un coin VIP, ok? Il n'y a pas plein de gars qui vont se mettre à la table autour d'elle. Tu vois, t'as jamais vu ça. Tu vois, essaye, réfléchis. Non, ça n'existe pas. Genre, la meuf, comme elle est belle, elle est bonne. Genre, il y a au moins 10 gars qui sont là. Ils sont là autour d'elle, ils parlent avec elle. Ils essayent de voir ce qu'ils peuvent faire. Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que un gars, c'est... Il est rejeté par ça en fait. Une meuf qui a plein de gars autour d'elle, ça repousse un gars en fait. C'est nature, c'est la biologie, tu pourras rien y faire contre ça. Je sais pas pourquoi, en tout cas c'est comme ça. Et les filles, c'est l'opposé, ok? Quand tu vas en soirée, il y a 2-3 gars qui ont un haut statut, en tout cas en perception, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais en tout cas, qui ont haut statut dans la soirée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a 50 000 meufs autour, qui sont tous dans la section VIP avec eux. Ah ben voilà. Donc du coup, vous êtes là en train de partager les gars. Vous êtes à 50 sur 3 gars. Ok, ça a toujours existé de toute façon, bref, depuis la nuit des temps, c'est juste se mentir à soi-même de dire le contraire. Après que c'est bien ou que c'est pas bien, j'en sais rien, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça que les secrets de la nature féminine, les gars, c'est pas genre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on fait ce qui fonctionne, c'est sûr. Voilà. Donc un gars, c'est territorial, à partir du moment où il a déjà commencé à te parler avec toi, s'il voit que tu parles avec un autre gars, déjà ça va l'énerver, déjà normalement ça va l'énerver. Il dit comment ça? Ouais, mais c'est parce que t'es insécure. T'as pas confiance en toi. Tu fais pas confiance. Non, vous avez dit, on est territorial. On n'aime pas partager. Ce qui est à moi est à moi. Mais je suis pas une chose. Oh, là, je peux pas. Je peux plus. Ok. Donc voilà, les gars, les 3 critères que j'utilise. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et toi, les critères que tu pourrais rajouter. Mets un petit j'aime si t'as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si tu es féministe et tu viens juste d'arriver sur la vidéo. Et si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Voilà, je l'ai pris full relationship, full relation femme. Avant, je faisais des petites vidéos business et tout. J'ai vu, ça faisait 3 vues. J'ai dit, ah ben, les gars, ils veulent du relation. On en voit.